affirmatif, donc tu me confirmes bien. C'est une voiture en contrebas de la route. Départ en exercice pour les pompiers. Scénario de la manœuvre concoctée par leur chef, une voiture est tombée dans un ravin entre Vescovato et Venzolask. Des victimes sont à bord. Deux victimes incarcérées. Victime numéro 1, conducteur. Douleur dos, douleur bras. Victime numéro 2, passager. Douleur jambe, n'arrive pas à bouger. Sur place, les hommes de la caserne de Luchan, les équipes médicales du service d'incendie et de secours et les secouristes du GRIMP, le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Plusieurs unités sous le commandement d'un chef de groupe. C'est important que tous les protagonistes communiquent entre eux, parce que chacun dans leur partie, le médical dans le domaine médical, le secours dans le domaine secouriste. Il faut qu'il y ait une personne à un moment donné qui décide sur les idées de manœuvre à prioriser. Et en fonction de ces priorisations, chaque intervenant, chaque technicien sait très bien ce qu'il a à faire. Ce qu'on va faire, en partie basse, Yvan avec Laurent, la partie haute, on s'en occupe, on va mettre en place une tire oblique avec une potence en déport. Les secouristes du GRIMP installent le dispositif qui permettra d'extraire les victimes du ravin. Au même moment, l'équipe de secours routier procède à leur désincarcération grâce au nouveau matériel acquis par le service d'incendie et de secours de haute force. Lors de la découpe, il faut éviter de toucher la cartouche de gaz qui déclenche les airbags de la voiture. L'exercice permet d'acquérir des réflexes et des automatismes. Avec les nouveaux véhicules, les véhicules de dernière génération, c'est vrai qu'on est confronté parfois à des soucis, comme vous avez pu le voir au niveau des airbags, etc. etc. On a quand même sur le véhicule de désincarcération une fiche d'aide à la désincarcération avec une tablette tactile qui nous permet de voir les différents véhicules. Une fois les victimes accessibles et médicalisées, elles sont placées dans la civière et remontées sur la route. Une manœuvre courante pour le GRIMP. Vu la configuration du terrain en Corse, avec des ravins, un peu de tout, on est souvent appelé à bien sûr être amené à extraire des victimes suite à des accidents ou des chutes dans des ravins ou des puits ou autre chose, ou des grandes hauteurs, bien sûr. On est habilité à faire des travaux comme ça dans le département. Cette fois-ci, c'est un exercice. Mais tous les ans, les pompiers de Haute-Corse font une cinquantaine d'interventions de ce type avec des incarcérations. À chaque fois, les appels arrivent ici. Le centre opérationnel de Fouriane y reçoit 132 000 alertes par an. Le centre d'entendement des appels reçoit les appels et ensuite organise, donc envoie les secours, éventuellement traite avec les services partenaires et gère in fine donc l'ensemble des opérations de la prise d'appel jusqu'à la fin d'intervention. L'été, ce qui est fait au niveau du centre opérationnel, c'est qu'on scinde l'activité feu de forêt du reste de l'activité. Donc la salle dans laquelle nous nous trouvons gère uniquement l'activité feu de forêt. La lutte contre les incendies, dans l'esprit du public, c'est le rôle principal des pompiers, que l'on appelle les soldats du feu. Pourtant, sur les 16 000 interventions qu'ils assurent chaque année en Haute-Corse, 75% relèvent du secours à la personne.